Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'était une vidéo en deux parties, d'un côté un vlog du meet-up de Noémie Makeup Touch qui s'est déroulé au centre commercial Grand Place à Grenoble, et d'un autre côté la présentation de quelques produits NYX que j'ai achetés. Donc je vous laisse avec le petit vlog du meet-up et je vous retrouve juste après. Donc j'espère que ces petites images du meet-up vous auront plu. Passons maintenant aux produits NYX. En premier, pour ma belle-mère, j'ai acheté deux petits fonds de teint. Donc ceux-là, c'est les Mineral Skin Foundation. Donc elle en voulait deux. Ils sont en teinte 07. Et bah c'est tout quoi. Donc c'est pour toi Sylvie, je t'ai pas oublié, je te fais des gros bisous. Ensuite, on a toutes eu un petit Soft Matte Lip Cream. Donc c'est la teinte Copenhague. Elle est super belle, en plus ceux-là ils sentent super bon, j'en ai pas en grand format, je ne peux pas vous dire s'ils sentent pareil en grand format, mais bon je pense. Ceux-là ils sont pas vendables, mais en tout cas ceux-là ils sont top, et la couleur, ils sont super onctueux, ils sont pas sans transfert mais ils restent mat, on n'a pas du tout l'impression d'avoir de rouge à lèvres. On peut intensifier la couleur comme on le souhaite, on peut en mettre légèrement comme on peut mettre vraiment la teinte qui est montrée sur le packaging. Ensuite, une nouveauté que j'ai achetée, c'est l'Epic Ink. Donc c'est une encre à lèvres. Donc contrairement aux lingeries, aux soft mat que j'ai présenté précédemment, celui-ci ne va vous laisser aucun résidu sur les lèvres. Ça va pas faire le côté pâteux un peu qu'on a avec les lingeries ou tous les rouges à lèvres mat en fait. Donc je vais le mettre et je reviens juste après. Je pensais que j'allais avoir un peu du mal parce que j'ai des lèvres super fines, et qu'en général avec les petits pinceaux qu'on a sur certains rouges à lèvres, là c'est pareil que tous les rouges à lèvres que j'ai, c'est un petit embout mousse comme ça. Enfin, mais franchement super bien, on a l'impression de rien avoir. Après là faut que ça finisse de sécher pour voir ce que ça donne. Donc maintenant c'est sec, on va voir si c'est sans transfert. Alors il y a juste... je pense qu'il y a juste l'intérieur où les lèvres sont un peu mouillées, où ça transfère légèrement, mais sinon il n'y a rien quoi. C'est pratiquement sans transfert, on sent rien du tout sur les lèvres. Concernant le prix, je vais vous le mettre juste là. Concernant l'odeur, ça sent un peu fort, je crois que je m'en suis mis sur le nez. Ça sent pas grand chose en fait. En magasin, pour 3 liquides suèdes achetés, on avait... un petit tote bag comme ceci, donc je le trouvais plutôt sympa. Donc on peut choisir la couleur, il y avait soit bleu, soit rouge, soit rose de lèvres comme ça. Donc moi j'ai pris rose, je trouve ça plutôt sympa, avec marqué derrière NYX Professional Makeup. J'ai acheté 3 liquides suèdes, donc j'ai pris les nouveaux, les métalliques. Je voulais voir ce qu'ils donnaient quoi, et en tout cas ils ont l'air super beaux. Les filles là-bas elles avaient tout sur leurs bras des teintes, donc j'ai pu choisir. Donc j'en ai pris 3, elles sont trop belles. En premier, je vais tester la teinte Bella, la teinte 30, et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le Bella sur mes lèvres. Je le trouve franchement super joli, je trouve que ça rend quand même pas mal. Aucun transfert, donc c'est bien mat. Il sent pareil que l'encre à lèvres, il sent pratiquement rien. Niveau prix, je crois qu'il est un tout petit peu plus cher, je crois qu'il est à 7,90€. Ensuite, je vais tester les deux autres, donc ça va être exactement la même chose parce que c'est le même produit. Je vais juste mettre des petites images portées sur mes lèvres. Donc je vous laisse avec les deux petits. Donc
voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le petit ballon que vous voyez là depuis tout à l'heure, c'est le petit cœur qu'il y avait au meet-up. Normalement on n'a pas le droit d'en avoir, mais je remercie la vendeuse qui m'en a donné un discrètement. Je lui fais mille fois des bisous, et aussi à Mélanie, qui est une vendeuse aussi de chez NYX. Merci pour vos conseils les filles. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez voir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye! When you see the sun rise and fall, days on your